It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Je sais pas si tu connais la vidéo. Les gars, Stein et ZK là, s'il vous plaît. Ouais, calez-vous ici là, calez-vous ici. On fait quoi, juste on les laisse passer? En gros, quand vous les voyez arriver, vous les appelez, vous leur dites: ouais les gars, c'est ici. Faites gaffe juste qu'ils vous braquent pas. Faites-la, Stein. T'inquiète, moi j'ai mon arme sur non, moi. Non, mais même si vous avez votre arme, ça se trouve, ils vont arriver en équipe. Donc quand ils arrivent là, genre vous dites: ouais les gars, c'est là, et reculez direct. Comme ça, les gars, ils peuvent venir vous aider s'il y a besoin. Ensuite, vous, ce que vous faites, vous les montez, vous passez que par la droite, tout le temps droite, ok? Jamais escalier de gauche. Ok. Et vous venez avec, vous les emmenez jusqu'à nous, genre nous, en gros, on est tout en haut de le... Bah attends, viens Stein, je vais te montrer où il est, où on est. Ok. Je suis pété, moi. Stylé. Faites la c'est, frère, faites la c'est. Je les ai fait. Refait. Je tout speak. Non, mais en fait, regarde, faut que tu fumes avant et tu te cales après. Non, mais te cales pas comme ça. Genre, mais non, attends, mais je vais compter l'argent. Encore droite, voilà, et là encore droite. Et en gros, nous on est, regarde, on est tout au bout là. Tu vois Seven au loin ou pas? On est tout... Oh, ça sent la tête de qui? Il est trop mignon, vas-y viens, je les appelle. Ouais, bien ou quoi? Ouais, bien. Au calme. Bien. Tranquillement. Les gars, merci de nous avoir accompagnés, les gars. C'est gentil, merci. Pas de soucis. Ah, pas de quoi. Ils sont là pour ça. Ouais, à la base, ouais. Justement, on n'est pas venu là pour ça, pour vous faire une. Pour vous faire passer un message, là, du Shane. Parce que tu sais très bien, là, ce qui s'est passé hier. Ça me plaît pas du tout, frérot. Moi aussi, ça me plaît pas du tout ce que t'as fait. Ouais, mais poto, c'est toi qui as commencé. Et là, on va pouvoir se renvoyer la balle mille fois. En parlant de Malcolm. Après Malcolm, tu sais très bien que c'est une histoire compliquée. Ouais, mais ça reste mon meilleur ami. Quoi qu'il en fasse, ça reste mon meilleur ami. Peut-être. Mais moi, tu sais très bien que c'est Leitchin, ils ont engrainé le truc. Moi, à la base, je sais même pas si j'ai parlé de Malcolm. Mais tu sais très bien comment me toucher. T'as parlé de mon père. Et ça, Duchesne, c'est des trucs que je pardonne pas. Et tu le sais très bien. Ouais, t'as parlé de ma sœur et tu t'es vanté de l'avoir baisé devant des gens avec qui je suis en guerre tous les jours. Et tu t'es vanté de l'avoir tué aussi. Et c'est des choses que j'accepte pas, cette. Ouais, effectivement, c'est la grande bouche de la rue qui a parlé. Maintenant, voilà. Tu veux, je te dise quoi? Moi, tu parles de mon père, je tape là où ça fait mal. Hein. Tu sais très bien, toi et moi, on connaît nos points faibles. Ma sœur, je tape là où ça fait mal aussi. Complètement. Maintenant, au lieu de régler ça comme une grande personne, Duchesne... C'est-à-dire, en venant me voir, en parlant, t'es parti en couille. T'es parti en couille et t'as tiré sur ma voiture. Ouais, j'ai vrillé dans ma tête encore. Et t'as failli me toucher, ouais. Ce que t'as fait. T'aurais pu... En plus, t'as visé les vitres, hein. Là, la vitre arrière, elle est cassée, j'ai d'ailleurs. Visé les vitres. T'as visé les vitres, ça veut dire concrètement, ça aurait pu atterrir dans un crâne et... T'as capté. Donc t'as vu, maintenant on fait comment, Duchesne? Parce que là, t'as vu, moi je me... Franchement, j'ai respecté. Honnêtement, j'ai respecté. Malcolm, il est mort. Je vous ai laissé un temps de répit, tu vois. Effectivement, ouais, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai respecté, j'ai même parlé d'ailleurs à César la dernière fois, après la mort de Malcolm. J'ai discuté avec vous parce que je comprends que la situation elle est compliquée. Même si... Enfin, je comprends. Pas vraiment, parce que en vrai, je peux pas comprendre comment on peut aimer Malcolm. Mais vas-y, limite... Je me mets à votre place, je me dis ouais. C'est parce que t'as pas grandi avec lui. Ouais, peut-être, maintenant, je me suis mis à votre place, je vous ai laissé souffler. Mais là, le problème du Shane, c'est que... Tu pars en couille, tu le sais très bien. Ouais, je pars en couille parce que t'as parlé de choses qu'il fallait pas parler, c'est... Ouais, je comprends, mais est-ce que tu penses que... Que tout ça, ça a pas déjà été réglé? Est-ce que tu penses que tout ça, ça mérite qu'on se tire dessus, qu'on se tue?
Moi ouais, hein, moi ouais. C'est, si, moi je pense que ça mérite qu'on se tire dessus parce qu'on l'a déjà fait. Parce ouais, que ouais. Malcolm il est mort pour ouais, ça, il est mort pour ces histoires-là. Ouais, il est mort pour ça, ouais. Mais apparemment ces histoires-là, elles sont pas réglées. Et ça c'est un problème. Ouais, elles sont pas réglées. Tu sais pourquoi c'est? Non. T'as toujours quelque chose en ta possession qui m'appartient de droit, Seth. C'est pas dur. Je les ai pas oubliés. Quand on a pris la descente, on a profité pour t'approprier les blocs. Et crois pas que j'ai oublié. C'est pas parce que Malcolm il est mort que j'ai oublié ce qui me revient de droit, Seth. Ça te revient pas de droit, Duchesne, tu sais très bien. Si. Tu sais très bien que les dernières guerres qu'il y a eu, on vous a prouvé que vous étiez pas en position de les récupérer. Peut-être avant. Ni même de protéger les vôtres d'ailleurs. On l'a vu peut-être récemment. Avant. Peut-être avant. Mais maintenant ça a changé. Ça a changé, ben prouve-le-moi là, alors. Ce que je vois, c'est que t'as ramené tous tes gars qui font la sécurité. Alors que t'aurais pu venir qu'avec Seven, tranquillement, parler comme avant. Mais là t'as préféré ramener tous tes gars. Mais bon. Et dis-moi ça, j'ai une question. Ouais. Et sois honnête. Mmh. Ouais, sois honnête. Sois honnête, s'il te plaît, sois vraiment honnête. Vas-y, je t'écoute. Tu comptes nous refaire comme Malcolm? Écoute, là, je te mens pas, César Duchesne. Là, si vraiment j'avais ramené tous mes gars pour vous faire du mal, là, vous seriez déjà au fond de l'eau, là. Je vais pas vous mentir. Là, mes gars, ils sont juste derrière, tu vois, regarde, derrière toi, ils vont absolument rien vous faire. Ils sont juste là pour te faire comprendre, tu vois, qui on est. Ils sont juste là, et ça, c'est pas en mode... dis-leur de reculer là, je sais pas, ils viennent où. Non, j'aurais dû se stopper. Écoute, regarde, ils s'approchent encore. Tu vois, il y a tous mes gars qui sont. Non, t'inquiète pas. Juste non, il y a rien à faire. Dis-leur de reculer. ZK, dis-leur d'aller dans l'escalier. Qui leur a dit là? Derrière eux, ils les braquent tous. Ah, t'inquiète pas. Dis-leur d'aller dans l'escalier, personne leur a dit de venir sur le pont. Beaucoup qu'ils attendent, ils ont les crocs là. Ouais, je sais bien. J'imagine bien que t'es pas venu tout seul, je suis pas con. Juste moi, ce que je te dis là, c'est que. Pourquoi je t'ai amené ici et pourquoi il y a tous mes gars? Je t'ai amené ici pour t'avertir. Tu vois, là, ce que t'as fait hier, là, c'est un avertissement. Tu vois, c'est en mode, là, il y a mes gars, t'as bien vu leur visage, t'as bien vu leur tête, ils ont bien la haine contre vous. Ils ont qu'une envie, c'est de vous faire les fesses. Moi, je les régule. Je comprends que Malcolm est mort, donc je m'investis sur d'autres trucs. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, si j'enlève la cage dans laquelle je les enferme, c'est la merde. C'est la merde pour vous, c'est la merde pour nous. Donc, soyons clairs, Duchesne. Il faut que tes intentions, je les connaisse. Parce que là, clairement, tu me parles de blocs, de machin. Ouais. Moi, j'hésiterai pas à faire ce que j'ai déjà fait avec vous. Tu le sais très bien. Écoute, Seth. T'as vu, Malcolm, lui, il avait une double personnalité. Ça veut dire qu'il était un peu fou et il savait pas ce qu'il faisait. Mais moi, j'ai tout mon cerveau. Donc, une guerre, je peux l'assumer. Tu vois? Ouais. Et crois-moi que depuis Malcolm il est mort, le business il tourne et c'est incroyable, tu sais même pas comment. Ouais, j'ai mais c'est justement pour ça que Duchesne, tu te rends pas compte bon. Aussi de ce que fait les autres. Mais c'est peut-être ça ton défaut. Peut-être non, que toi tu gères bien toi ton aussi, quartier. Ton business il tourne, franchement, bien pour toi, mais sache que le mien il tourne très bien. Très très bien. Et ben tant mieux pour toi. Maintenant. J'ai des bonnes joujoux pour te faire danser. Tant mieux. Bah écoute, moi, ça, juste une chose, c'est que ce qui s'est passé hier, je ne le laisserai pas impuni. Et si pour toi, toutes ces histoires-là, elles t'ont pas suffi, elles t'ont pas fait comprendre on a fait ce qu'on a fait et que, vas-y, on pourra pas modifier le passé. Si tu veux encore te battre par rapport à ça, ça va pas s'arrêter ici. Et en plus... Non, on peut pas modifier le passé, mais on peut créer son avenir. Exactement, et tu sais très bien que ça changera rien, ça fera pas revenir Keisha, ça fera pas revenir Malcolm, ça fera pas revenir mon père ni ma mère d'ailleurs. Et ça pareil, Madame Grace elle est morte devant vos yeux, vous avez même pas bougé le petit doigt. Ouais, et vous osez encore utiliser le nom de Malcolm à votre effigie, ça me dégoûte, c'est... T'es allé voir ta mère à l'hôpital? Je suis allé voir ma mère à l'hôpital et j'ai même tué les 3 OG des Niners si tu veux tout savoir, les 3. Ouais, normal, c'est moi qui les ai envoyés à l'hosto. Quand je leur ai tiré dessus devant le Clucking Bell, parce que t'as même pas bougé un petit pied. Ah, c'est vrai que j'ai eu Curti grâce à ça. Bien vu, t'es un bon. Je l'ai fumé même à l'hôpital, carrément. Mais sache une chose, c'est que tu me sous-estimes beaucoup trop, Duchesne. Et que non, si j'ai réussi à les avoir, j'ai même pas eu besoin de leur tirer dessus, à certains. Bah d'ailleurs, ouais, j'ai utilisé aucune balle pour tuer les Niners. Mais il faut que tu saches un truc, Duchesne.
c'est que ces histoires-là, elles sont passées. Si tu veux les remettre sur le tapis, on va les remettre sur le tapis. Mais sois juste prêt, quoi. Mentalement, physiquement. T'inquiète pas, je suis très prêt. Et attends, je voulais dire un truc, ça vient de me sortir de la tête, je sais plus. Je sais plus. Oui, si. J'ai appris que Hayes, il habitait dans votre quartier. Oh, j'ai pas appris, je le sais. Non, il habite là où logeait les H-Blocks il y a pas si longtemps. Non. Ah bon, il habite vers chez moi. Ouais. Ah bah encore mieux alors. Bah oublie alors, parce que ça va être mon affaire personnelle aussi, ce fils de pute là. Donc Qu'est-ce que tu lui veux? Comment ça, qu'est-ce que tu lui veux? Ça te regarde? Non, je sais pas, Jared, c'est un flic quand même, un haut gradé. C'est un fils de pute de flic qui met son nez dans toutes les affaires de tous les gangs et qui a un peu trop le nez partout et qui a fait des choses qui me plaisent pas. Il a volé une de mes vengeances, il a volé une de mes vérités, et maintenant je vais me venger. Sache-le. Ok. Donc j'espère que c'est pas ta petite source d'infos du LCPD, parce que j'ai cru comprendre qu'il travaillait un peu avec tous les gangs. Non, je parle pas vraiment. Parfait alors. Eh ben, écoute, je pense que la situation elle est telle qu'elle est. Maintenant, l'avenir nous dira la suite. Hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Maintenant, moi, ça, je suis juste une chose, c'est que si vous n'acceptez pas de faire un geste en contrepartie de ce que vous avez fait, c'est-à-dire, je sais pas. Une offrande. Une offrande, exactement. Une offrande, vas-y, carré. On est les Mayas, nous. Non, mais je sais pas, non, mais si vous... Si tu veux un petit gifted. Tant qu'on n'aura pas... tu vois, hier, tu nous as tiré dessus, hein, t'as failli ôter des vies. Ouais, donc, c'est vrai. Nous, tout ce qu'on veut, c'est, tu vois, une petite compensation, que ce soit financière ou autre chose. En échange de ce qui s'est passé. Si ça t'intéresse pas et que tu penses que ce que t'as fait hier... Ça mérite pas d'être pardonné. Ben écoute, la suite nous en dira des nouvelles. Ouais, c'est vrai. T'en penses quoi, toi, César? Je sais pas, franchement, moi j'étais chaud pour l'offrande. Hein. J'allais là ramener deux chèvres, un mouton et un poulet là. En vrai, ça met bien, hein. On peut faire ça grandir au quartier, on les reproduit. Un petit enclos. On l'appelle GC9 et on pourra bien les élever comme ça. Ah, voilà, c'est bon, t'as plein de poules. Moi, c'était lourd en vrai. Parce que moi, j'ai une petite question juste. J'ai un truc qui me titube un peu. Et moi, tu décroises tes bras. Ah, c'était ça la question. De quoi? C'est ça la question, enculé. Ouais. Ouais, décroise tes bras, s'il te plaît. C'est vrai que t'as aucun flow, ta grand-mère. Vas-y, merde. Ouais. Non, c'était tout ce que je voulais savoir. Ok, bah, bien vu pour ta question, frérot. Ok. Eh ben, écoute, Duchesne, je te laisse réfléchir à ça. Si tu veux calmer les tensions. Eh ben, offre-nous un truc ou achète-nous une moto ou trouve une alternative. Une moto au prix d'une maison. Ouais, mais Zabi, c'est pas moi choisi. Mais trouve un truc, une compensation. Et si j'ai pas de réponse de ta part, je prends ça comme un non et justement pas, je vais être obligé de remettre les chaussures de basket pour venir vous dunker. On dit l'éponge juste à l'heure. Ah ouais, tu veux venir sur le basket? Ouais. Comme les Hitchin, quand ouais, ils sont mais venus, en gros, ils c'est une métaphore. Ouais, c'est une métaphore, en gros, pour dire que je vais reprendre. Ouais, bah, les Hitchin, ils ont essayé de venir dans mon basket, ils sont bien tous partis à l'hôpital. Ouais, mais ils ont quand même essayé de venir, mais ils ont quand même pris un set. D'ailleurs, ils l'ont toujours ou pas? Ouais, mais ça serait plus tardé, en vrai. Je vais réfléchir à un truc là. Je comprends, ça met du temps à faire bouger des mecs, hein, c'est normal, mais. Moi, je te mens pas. Si c'est pas toi qui les fait bouger, ce sera moi et je récupérerai les tours en question, tu vois. Non, mais ça serait plus tardé, je pense que j'ai un petit truc en tête. Ok, bah écoute, j'attends ta réponse d'ici un jour, là, 24 heures. Et si j'ai pas de réponse, bah je prends ça pour un va te faire enculer et franchement, ce serait pas cool, Duchesne. Tu sais très bien qu'il y a des choses qui nous lient et que peut-être ensemble, on serait plus fort, hein, au final. C'est ce qui est con, mais même si moi, j'aimerais jamais me mélanger avec du bleu... La trêve a fait du bien à Northwood, je pense.
mine de rien. Ouais, mais pendant cette trêve en soi, t'as perdu un set, j'ai perdu un set. Bien en hors-soute, c'est un grand mot quand même. Non, mais moi, je me suis remis bien. En fait, la vérité, c'est que j'ai perdu un set pour une erreur d'inattention. Mais on l'a récupéré et maintenant, ça nous fait plus gagner d'argent qu'avant, tu vois. Non, moi aussi, je me suis mis bien. Ça, c'est vrai que je suis bien. Bah tant mieux pour toi, mais maintenant il va falloir prendre les bonnes décisions parce que c'est très bien quand si c'est une guerre et qu'on est voisins, c'est incessant, ça se tire dessus même aux fenêtres, tu peux faire. De toute façon, tu sais très bien que même sans guerre ou pas, Northwood a toujours été réputé pour son taux de criminalité. On est Grands rivaux les plus importants de Liberty City et tu sais très bien que sans guerre. Je sais bien, mais notamment avec le Watergate, là, le problème de l'eau, là, de l'amiante dans nos robinets. Si on commence à se tirer dessus tous les jours, ne pense pas que le gouvernement va nous faire des cadeaux en mode y a pas de souci, on vous règle votre problème d'eau. Ils vont nous dire on les laisse dans leur misère, on peut même pas y aller sans se faire tirer dessus. Donc prends les bonnes décisions, réfléchis à tout ça parce qu'il n'y a pas que des conséquences sur ton business illégal, il y a des conséquences sur tout. Il y a des conséquences sur les darons qui sortent. Des conséquences sur des petits, sur mon petit neveu qui court, qui se promène, etc. Exactement, ton petit neveu qui veut apprendre le basket au terrain, il va pas apprendre le basket au terrain et ça se trouve ça aurait été le prochain LeBron, tu vois. T'as pas compris, en fait on parle du petit neveu de César que vous avez buté en faisant un drive-by en fait. Ouais, bah pareil, hein, Blax, tout ça, y a des darons qui sont morts. Y a beaucoup de monde qui canne avec des guerres inutiles. Donc je vous le dis, là, il y a moyen de vous. Enfin, j'ai même pas envie de dire de vous racheter parce que je vous prendrai de haut, mais il y a un moyen de calmer les tensions. Soit tu décides de les calmer, soit du Shane, tu vas te rajouter des mecs sur le dos et je sais que t'as déjà du monde. Donc réfléchis-y. Ouais, c'est vrai. Ouais. Réfléchis-y. Tout simplement parce que nous, on n'est pas les mecs de Pancho Street ou les 18. On n'habite pas à 30 minutes de voiture. On habite juste en face. Je fais 5 pas, je te tire dessus, je rentre chez moi, je suis en sécurité. Tu vois. Donc c'est pour ça. C'est pour c'est bien différent. Mais bref. De toute façon, je pense qu'on en a assez dit. Tu me rappelles demain et on en discute. Vas-y, ça marche. Vas-y, les gars. Bah je vous laisse aller derrière vous, les gars vont rien faire évidemment, vous inquiétez pas. Oh le East Pack. J'arrive tant que... Ouais, en fait c'est que j'ai un gros joujou dans le East Pack. J'y ai pas pensé. Bah ouais, comme ça les flics ils me cassent pas les couilles. T'as vu, moi je le fous dans mon fut, ça bouge hop. Ouais, t'as quoi dans ton fut là? Bon il est là. Le petit scorpion tu connais hein. Vous êtes nouveau les frères. Les gars. Les bras, c'est quoi les bras? Je les avais déjà croisés depuis. Franchement les gars, la mise en scène, sérieux, je vous mets un 20 sur 20. T'as cru ou pas? T'es un bon. C'est danser avec les stars. Bien vu. Là, t'as vu quand tu es monté dans les... Vas-y, restez à cet étage s'il vous plaît. C'est les portières. Ah mais dans la mise en scène, c'est bien, on les rafale aussi. Vas-y les gars, plus tard. Bonne soirée. Vas-y. Les jeans. Bisous. Allons-y les gars. Jesus Christ, ils sont stressés. Quand j'y pense, à chaque fois que je fais des rendez-vous gradés avec vous, je ramène tous mes jeans, je suis une salope. Ouais. Nique sa mère. Je suis un homme, m'en fous. Et comment ils sont stressés au début les gars? Ah bah normal, c'est choquant. Attends, du Shane, attends. Christine il a dit avance. Mais non, parce qu'on a... En fait, c'est les seuls à qui on a fait le coup. Oui. C'est les seuls à qui on a fait le coup de un rendez-vous de ramener 15 000 mecs. Bah, forcément, ils stressent. Oh, ça va, vous inquiétez pas. Ouais. Coopératif. Ça va, c'est. Oh, ouais, le cas. Ça va très bien, toi. Ouais. La prochaine fois que vous me faites perdre mon temps à me présenter auprès d'un de membres qui n'est pas légitime à me répondre. Sachez que je le prendrai personnellement très mal. De quoi, je suis venu respectueux envers votre personne, non? Oui. Tu parles à moi? Je parle à votre ami. Ah, un échange entre deux individus doit se terminer par un accord ou une négociation. Mais cet individu n'était pas en mesure de m'apporter réponse. Dans ce cas-là, la prochaine fois, il est nécessaire de couper court à mon discours. Négocier un voyage en Turquie? Ouais, je vois. Mais du coup, c'est ton collègue Ulka, lui, là? Je pense qu'on n'est pas... Il va se présenter. Esteban Cartello, enchanté.
Enchanté, enchanté, moi c'est 7. Cartel. 7, on dit de Northwood, on dit des 306. C'est moi qui gère tout le quartier d'ici là, tous les rouges. Très bien, ça tombe très bien. Je suis en charge de tout ce qui concerne la revente d'un plupart de marchandises qui quittent votre ville, d'accord? Un peu hors export, un peu sur tous les terrains, disons que je suis un peu en haut du tableau, hein? Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Tout ce qui se passe ici, touche la main d'Esteban Cartello à un moment ou à un autre. Il s'avère que quelques soucis de qualité ont été remontés par mes clients. Nous devons identifier si cela se passe à la fabrication ou si cela se passe à la revente, comprenez? Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faudrait que un des professeurs qui était imposé par mes clients nous accompagne. Professeur, vous pouvez sortir. Oui, tout à fait, tout à fait. Je viens m'occuper de vérifier que l'infrastructure où vos substances soit bien équivalente aux demandes de nos clients. Nous avons des clients premium qui demandent d'avoir de la qualité d'exception. Évidemment, pour les clients un peu moins favorisés, nous pouvons toujours couper la marchandise avec des prix plus abordables pour eux. Mais nous ne devons pas négliger nos clients VIP, vous comprenez. Et bon, j'aimerais voir un peu dans les conditions dans lesquelles vous travaillez et voir comment vos cuisiniers s'y prennent. Est-ce qu'ils respectent des recettes conventionnelles ou alors ils y mettent leur pâte? Non, nous voulons une qualité qui, sur le long terme, qui reste équivalente. Nos clients ont des attentes maintenant, donc il faut y remédier. Nous avons constaté une baisse de la qualité ces derniers mois qui n'est pas tolérable. Ouais, je te mens pas, ça c'est un problème aussi. Hein. C'est un problème aussi, les mecs qui mélangent un peu de coke avec de la farine pour en vendre plus, c'est un problème. Après, alors, principalement ces derniers temps, la cocaïne, on a retrouvé, alors potentiellement qui viennent de chez vous, je ne sais pas encore, mais coupé avec du verpil. Et comprenez que certains clients ont eu des séquelles très, très, très problématiques. On ne sait pas encore cuisiner ça, mais je ne vais pas te mentir. Les conditions de travail, déjà, elles sont assez compliquées. Il faut faire vite et tout, parce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent les endroits. Et après, chacun sa petite recette. Moi, je sais que je suis les recettes de mon père. Et ça fonctionne bien. Après, voilà, chacun met sa pâte. Monsieur Seth, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Il serait important de nous dévoiler un peu ces recettes, comme vous dites, pour que le professeur puisse le contrôler. Comprenez que mon père nous envoie ici à la recherche de réponses. Si je rentre sans réponse, ne vous le fais pas dire ce qui se passera par la suite. C'est une pyramide. Actuellement, je suis en haut de cette pyramide et mon père est au-dessus. Alors l'effondrement se fera de haut en bas, tête après tête. Mais moi, qu'est-ce que j'y gagne à vous donner tout ça, tu vois? Regardez, mes clients m'achètent la cam, ils me font des réclamations, je réponds présent. C'est la même chose. Je peux pas vous mentir, monsieur Esteban, moi si ça m'ouvre du business derrière et que vous reprenez ça à un prix intéressant et que je peux satisfaire vos clients, moi y a pas de souci. Maintenant, si je te donne ça et que t'as capté, je repars les poches vides. Ça m'intéresse pas. C'est la part d'un échange de bons procédés. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons été réclos avec nous, non? Ouais. Effectivement. Avez-vous eu un impayé? Vous nous payez en retard ou laissez l'un de vos business sur le côté? Je ne crois pas, non? Non plus, ouais, effectivement. Voilà. Votre parole se fait par les actes, monsieur. 7. Je pense que les actes ont été plus que respectés de notre part. Aujourd'hui, c'est un simple contrôle de la marchandise. Okay. Si la marchandise est de qualité, on pourra la vendre encore plus. Je pourrai le justifier à mes clients. Ok, bah écoutez, comment tu veux qu'on procède? Parce que le professeur vous demande d'indiquer exactement ce dont il a besoin, mais généralement il a besoin de voir une fabrication complète. Oui, j'ai besoin de voir déjà les locaux de production, déjà dans un premier temps, et de voir l'état du bâtiment. Très important pour le processus de création. Je vois. Bah écoute, y a pas de soucis. Moi maintenant, tu me contactes, tu me dis de ce que t'as besoin et j'essaierai de te donner ça le plus vite possible. Vous aurez besoin de visiter votre labo dans l'immédiat. Dans l'immédiat? Ouais, pourquoi pas. Moi, ce que je taffe principalement, c'est le crack, donc je peux vous montrer ça, effectivement. Oui. La drogue du pauvre, c'est pas celle que nous voulions contrôler en priorité, mais c'est important d'y aller voir. Deux morts à Baltimore de crack a été revendu là-bas. C'est important de contrôler la qualité. J'ai pas envie que ça me retombe entre les mains, tu comprends? Bien évidemment. Ouais, après, si tu connais, en général, il s'agit juste de bien doser en aspirine. Il y en a qui mettent trop d'aspirine et c'est ça qui est problématique. Et si tu mets aussi, si tu fais sécher trop longtemps à l'ammoniaque, ça devient beaucoup trop nocif. Donc c'est pour ça que le crack, il peut être mortel parfois.
Mais ouais, je vais vous montrer. On t'en voilà, sort si bien, vous permettez, j'aimerais qu'on nous ait terminé cette conversation dans un endroit plus sûr. Je suis pas très à l'aise en public comme ça trop longtemps. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas l'habitude de rester très statique, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends, je comprends. Bah écoutez, on fait comment là? Vous voulez qu'on aille, je vous montre directement la cuisine là? Allons-y. Oui, absolument. Et ça marche, vas-y, bah, je vais prendre un véhicule et suivez-moi. T'as les clés du XLS ou pas? Non. Et de l'Oracle? Les clés du Rebla? Non, les clés du Rebla. Oh, il a quoi de la mer? Bah, c'est un peu cramé. Ah. Viens, on va chercher le Rebla. Chercher quoi? Le Rebla. Bah, il est où? Bah, il est au terrain. Attends, j'appelle Toothpick. Je sais pas si on peut leur faire confiance. Bah, je sais pas, je le sens. Toothpick, t'es où? J'ai besoin du Rebla. J'ai besoin du Rebla là. Terrain de basket, il est où le Rebla? Vas-y, on arrive, vas-y. Terrain de basket. Ah, il est où le Rebla? Oh là là, ils l'ont mis à l'intérieur. Attends, pose-moi, je vais chercher. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'arrive. Attendez. On arrive. Gang. JC9 Killer. Tu veux que je t'aide, toi? Oh, oh, c'est en mer. Allez, bouge d'ici, bouge, allez. Les gars, s'il vous plaît, on a besoin du Rebla. Les danseuses, ouais. S'il vous plaît, on a besoin du Rebla urgent là, venez. Allez, biscuit, tout cas, pute. Tu ramènes les bleus, vas-y, merde. Encore. Ça me termine ça, les rips, ils attendent qu'on part pour commencer à jeter des trucs, ces bouffons. Vas-y, on est là, les man, vous pouvez nous suivre. Explique, donne-moi à boire, s'il te plaît. On est un véhicule un peu plus discret. Oh, y'a quoi là, c'est. Je sais pas, c'est Lucas, il est venu me présenter un mec et. Je le sens pas. Lucas, là, des gros filons, hein. Ah, mais. Attends. Ouais, il est suspect. Je sais pas. En fait, il est arrivé, je sais pas, il m'a agressé, frère. Qui? Lui, là, il m'a dit, ouais, t'es là, tu peux pas me donner d'infos, je sais pas quoi. J'ai dit, bah, frère, vois ça avec mon gradé, enfin, avec mon OG. Bizarre, lui. Vas-y, on va voir, de toute façon. Jette le gamin à caisse d'épreuve. Ouais, je sais pas, c'est un gros 6 de Mérico, frère. La qualité, Mérico, Mérico. On va. Liberty Times, non? C'est eux, ils imposent la pause ou on se pose là où on veut? Non, il veut crack. Je vais leur montrer le labo de crack, juste. Attends. Ah ouais. Ça leur offre comme ça. Ils sont grave nuls. Non, on leur donne le labo, c'est ça? Non, ils contrôlent, ils contrôlent. Ça se voit que c'est une femme qui conduit, hein. C'est sexiste, ça, Toothpick. c'est Dookie, non, c'est Toothpick. Arrête de mentir. Ah, Dookie, hein. C'est comme ça que tu vas devenir gratté, Dookie. Rigole, les gosses. Allez, on déconne. Non, je déconne pas avec ça. Si, seigneur. Si, seigneur. Vas-y, Toothpick, get à l'extérieur là. Reste ici. Allez-y, après vous. Allez-y. Voilà. Bon, c'est ici, professeur, qu'on travaille. Donc là, comme tu peux voir, hein, c'est un truc assez simple, hein. Mais tu connais, là, ici, c'est ici qu'on fait nos petits tas. Avec les petits tas, on mélange ça à de la poudre d'aspirine qu'on écrase. On fait sécher ça à l'ammoniaque. C'est très pittoresque, c'est très pittoresque. L'endroit émite un coup de balai de temps en temps, ça ne vous arracherait pas la gueule. Je vous mens pas que c'est ce qui est mis à notre disposition. On n'a pas forcément les moyens de construire mieux, nous, de notre côté. Et on n'y connaît pas grand-chose. Des champignons quelque part. C'est fait maison, c'est fait maison. C'est fait maison, exactement. Petit appart abandonné.
professeur était recommandé par mes clients, les spécialisés dans la qualité. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les informations qu'il va vous donner sont bonnes à prendre pour pouvoir augmenter la fabrication en termes de quantité, de qualité. Plus de quantité, meilleure qualité, et le prix est meilleur. La vente est meilleure. C'est clair ? Il manque le lit. Tiens, quand tu parles, non ? Ouais, je parle espagnol ? Non, non, pas trop, non. Non. Moi, je parle que américain, man. Très bien, ouais, très je bien. Pas allé à l'école. Très bien, très bien. Nique l'école, d'ailleurs. Je vais effectuer quelques prélèvements, là. Cette habitation, pour tout bien qu'il vaille, ça ne me plaît guère. Hein. Ça va se répercuter sur la qualité de la marchandise, il en sera de soi. Hein. Je ne mens pas que nous, on travaille ici, mais il y a une autre cuisine pour le crack qui est bien plus miteuse. On travaille ici parce que ça paraît déjà être plus propre. Je connais la quantité qu'ils fournissent. Donc c'est notre rapport, ce qu'on le récupère, ça représente quoi? 20, 30, 40, 50, 60%? Non, pas 60%, au moins un bon 15-20%. Un bon 15-20%. Avec un labo. Si je vous mettez à disposition un labo, vous pourrez augmenter cette production en combien? C'est à vous que je parle, Seigneur. Je sais. Bah, au moins le double, hein. Au moins le double, facile. Sache-le. Maintenant, bien. Nous, je te mens pas, j'ai eu de l'héritage de mon père. Pas mal de notes qui me permettent à moi de savoir taper dans d'autres choses. Maintenant, faut me laisser le temps d'apprendre à utiliser tout ça. Mais il y a moyen de faire d'autres choses aussi. D'autres choses qui rapportent encore plus. Très bien, très bien. Au bout de votre accueil et votre permission à rentrer ici, je vais voir avec le professeur s'il est nécessaire de vous fournir un labo ou non. Dans quelques semaines, laisse faire son travail tranquillement. Professeur, on vous écoute. Faites donc comme chez vous. Oui, j'ai fait des prélèvements. Là, nous avons vu de la moquette déchirée. Il y a de la mérule qui s'est propagée sous la moquette. Sans rentrer dans les détails, la mérule, c'est un petit champignon qui va absorber beaucoup d'humidité et ça va impacter énormément la qualité de votre marchandise. Hein. Je pense que ce bâtiment très, très, très lugubre là, ne peut pas accueillir vos cuisiniers et la matière que vous préparez. Oui, je pense qu'il faudrait éradiquer tout le bâtiment. Oui, je pense que il faut même la respirer l'air actuellement est dangereux pour notre propre santé à tous. Hein. Putain, je savais même pas, man, t'imagines ? La dinguerie. Oui, vous pourriez avoir des défaillances pulmonaires dans les mois à venir hein, en travaillant ici. J'espère que vos collaborateurs portent au moins des masques pour leur santé. Mais pour ce qui est de la marchandise, elle va s'en retrouver très C'est un cafard que je vois là. Impacté. Soupoutre Madeléa, venez, sortons d'ici. Oui, c'est très dangereux. J'ai bien fait de mettre mon masque. Oui. Avec les conditions qu'on a, c'est chaud, putain. Et vous mettez la santé de mon patron là à l'épreuve. Ah là là. Ok, mais du coup, on pourrait faire comment, professeur, là, pour régler cette histoire là? Oui. Si je peux me permettre, je pense que Monsieur Cartello, je vais contacter Salazar pour qu'il puisse essayer de leur trouver de meilleurs bâtiments, de meilleurs matériels pour cuisiner, parce que là c'est compliqué dans ce genre de. Non, on peut leur fournir une caravane cachée quelque part, ou alors carrément racheter une partie d'un bâtiment. Néanmoins, est-ce qu'il me dit que votre fidélité elle sera dévouée qu'à nous pour cette opération, si je vous fournis un labo? Est-ce qu'il m'a dit que tu vas pas essayer de me baiser et de vendre l'autre moitié ailleurs, hein? Eh hey man, les seules personnes à qui je pouvais vendre de la cam aujourd'hui sont même plus de ce monde. Moi, aujourd'hui, je cherche quelqu'un qui m'affilie, avec qui travailler et ne pas lâcher. Comme mon père l'a fait, il a choisi une personne et il l'a jamais lâché. Tant que nous, t'es dans notre équipe, il y aura jamais de coup en douce. Et encore moins si tu me donnes des cartes à jouer. Tu me donnes des cartes à jouer entre mes mains. Je sais pas. Moi, évidemment, je les utiliserai pour te mettre bien toi et me mettre bien moi. Tu comprends? Dans ce cas-là, vous serez contacté par madame d'ici environ une petite semaine. Un labo sera mis à disposition, préparé par le professeur ici même présent, d'accord? Et son ami Salazar. Je t'aime. Ce labo, pour le mettre à disposition, bien entendu, sur la première marchandise, on sera intransigeant. La quantité demandée dans un délai en partie.
Mais ce n'est pas respecté, on se reverra dans d'autres conditions pour une conversation un peu plus différente que celle que nous avons actuellement. Está claro? Ouais, évidemment, évidemment. Je comprends. Très bien, si mes collaborateurs n'ont rien d'autre à ajouter, je vous propose de nous rendre à notre petite prochaine destination. Ouais, je sais que tu es bon, Seth. Tu peux y arriver. Et ouais, puis, si on est déçu, tu sais que je connais toute ta famille. Ouais, je sais bien, je sais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va bien se passer. Bien. Vas-y. Bonne soirée à vous, putain. Venez demain. Ouais. Pour mon départ. Je remercie votre collaboration. Ouais, également, également, ça fait plaisir. Merci de nous proposer ça. A plus tard, les man. Bonne soirée. Tu peux me démarrer la voiture, Duki, s'il te plaît. Vas-y, je vous laisse partir devant. Ouais, merci, les man. Ah, moi j'ai entendu. J'entends dans la radio, il m'appelle, mais je réponds pas. Vous êtes les gars. Ah ouais, ce serait cool. Donne-moi le go quand je descends. C'est carré, boss. Ça va être quelque chose. Maman. Attends, je vais écrire braquage musique. C'est quoi? Ah. Ok, tranquille, on prend notre temps. Vas-y. Le parrain. Par contre, faut être devant, il faut qu'elle me voie, non? Parce que je lui ai dit que j'étais là. En vrai, si je rentre avec elle, je fais genre l'air de rien, et vous, vous arrivez. Non, mais je crois qu'on aura même pas besoin de descendre. La manière forte va être utilisée, t'inquiète pas, mon fils. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Je suis plus vieux que toi, m'appelle pas mon fils. Allez, les camps. Salut, Salut, lady. Salut. Yo, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains et rentre dans le concessionnaire. Je suis désolé, lève tes mains et rentre dans le concessionnaire. C'est pas ma faute. Descends, toi, descends. Allez, descends, toi aussi. Descends, je suis désolé, ils m'ont forcé. M'en veux pas. Ils m'ont enlevé comme policier. Allez, ouvre les portes. Allez, hop. Open the door. Hey. C'est pas ouvert pour moi. Ouais, mon but. Attendez. Est-ce ta possibilité to open the magasin? Ouais, t'inquiète. C'est reculé, Duki, et t'inquiète. De toute façon, tranquille, les kebras, les portes sont bien ouvertes. Ce serait cool. C'est vrai, chiant. La porte. Ok. Ne faites pas de mal à la vendeuse, s'il vous plaît, elle y est pour rien. Bien vu. T'inquiète pas, Lumba, t'inquiète pas. On va pas lui faire du mal. Si tes collègues travaillent bien, y'a rien. Pousse-toi un peu. Ça va, Domino? Ça va? Domino, je m'excuse, ils m'ont pris le montage, ils m'ont demandé un concessionnaire, je suis désolé. Ça va continuer d'aller si. Non, tiens, par rigueur, sans supplice, j'ai pas fait exprès. Bon, on va tous reculer tranquillement. Venez ici. Suivez-nous. C'est parfait. Bon, écoute, c'est simple. Eh, déjà, est-ce qu'il y a des gens là, d'autres autres que toi ici dans le concess là? Allez vérifier les gars, s'il vous plaît, là-haut. Il y a les caméras. Allez vérifier. Déjà, on va faire un truc simple. Tu vas me suivre, on va aller couper tout ça. Même s'ils nous ont déjà vu, je m'en bats les couilles. Je préfère que la suite elle soit censurée, viens. On sait jamais ce qui peut se passer, tu sais. C'est là-haut que ça se passe, du coup. Ah, c'est là-haut. Ok. Ouais. Vas-y, on va te suivre. Viens avec nous, Lumpa. On va voir s'il y a d'autres trucs. Ta gueule, Ayoub, m'en bats les couilles. Ils savent déjà que c'est Duki, t'es con, quoi. Attendez, on va vérifier s'il y a d'autres accès. Et même, en plus, on s'en bat les couilles. Lâcher des noms. C'est... Frère, c'est dans le RP, genre, c'est carré, genre. Moi, d'après, ils vont enquêter et... Ça veut rien dire. Okay, reste pas dans mon dos, Zach. Moi, les caméras, je connais rien l'informatique, mais si tu me fais une petite dinguerie, là, où je vois des dingueries, où t'appelles les flics, tu vas voir. Non, il y aura pas de dinguerie. C'est parfait. Au pire, monsieur. Ouais. Monsieur, si elle appelle la police, je serai sur ma radio. Il y a ma radio juste à ma droite, voyez. Ah ouais, t'es malin. C'est une bonne, ouais. Et du coup, vous l'entendrez. C'est parfait. C'est quoi ton nom, toi, madame la concesse? Domino. Domino. Eh ben, écoute, c'est parfait. Ça, c'est une bonne métaphore, en plus. T'as vu, tu fais tomber un domino et toute la chaîne va tomber derrière. C'est... J'aime bien. C'est un peu l'objectif du bail. Vas-y, viens. T'es coupé. On va aller en bas. Domino, et, tu coopères, tu fais tout ce qu'ils veulent et t'auras pas de problème. Okay. Directement, regardez, vous allez donner sa radio à Lumpa, là, et vous allez... Il va prévenir là les flics, il va aller dire qu'il y a un hold-up actuellement au concessionnaire de Liberty City. Ok. C'est quoi le nom du concessionnaire? C'est le... Le Grotti. Grotti. Oh, ouais. Tu dis qu'actuellement il y a un hold-up, que t'es retenu en otage et prise que t'as d'otage, besoin prise de... Hold-up, voilà. Il s'en branle. Ouais, prise d'otage. Okay. Écoute-moi bien, t'es prêt? 3, 2, 1... 0,5 à Centrale. Il y a une prise d'otage au Grotti, je suis pris en otage avec Domino. Il y a 4 hommes armés, ils me pointent au Grotti. Parfait. Voilà, ils arrivent. J'ai quelques mots à toucher avec ces fils de pute. Mais, Domino, t'imagines bien qu'on n'est pas venu ici pour jouer aux cartes. Mm-hmm. Je vais te demander deux choses. Ouais. Enfin, trois même. D'accord. La première, c'est les clés de cette voiture-là. Belle. Juste derrière. C'est dans tes possibilités ou quoi? La Bentayga? Je les ai pas, non. T'as les clés de quoi, là, ici?
Je crois que j'ai les clés de... des véhicules à l'arrière. Des véhicules à l'arrière, mais attends, tu les as en vitrine et il n'y a pas les clés là. C'est pas moi qui les a, c'est le patron qui a tout. C'est le patron qui est pas là. Il y a une meuf qui me demande de venir en after, je peux lui dire que je suis en prise d'otage. Non, non, c'est pas compliqué. Ouais, ça va donner un côté gang. Le patron, il est pas là en ce moment. Zack. Dis-lui ça. Il est pas là, donc. Il est en train de faire le tu fais le boy discret et tu dis, ouais, j'ai des choses à régler, je suis en prise d'otage et du coup. Alors, est-ce que je suis flic, c'est Zoé? Bah, dis-lui que t'es pris en otage et tu dis que t'as des choses à régler. Le patron, il a les clés, mais il est où? Tu passes bien. Il est à Los Santos, il fait du surf. Tu passes bien, fils de pute. Y'a personne d'autre qui a les clés. Qui rassure même. Non, à part lui. Mais respecte-toi. Ça va être compliqué là, il va falloir trouver un mec qui va me créer des doubles des clés ou qui va me se débrouiller parce que moi je partirai pas d'ici sans véhicule. Avec des véhicules à l'arrière, j'en ai pas besoin. Je veux pas la serrer, moi je m'en branle. Okay. Je dis je suis en otage au Brody. J'ai vraiment pas de clés, je peux les vérifier mais je sais pas. C'est où tu vérifies? C'est là-haut. Vas-y, je te suis. Je vais aller vérifier. Je partirai pas d'ici tant que j'ai pas des véhicules là. Ouais. Domino va falloir trouver une solution. Tiens, reste avec elle va chercher les clés, je m'occupe des flics. Ça marche. Vas-y, venez. Je veux bien trouver une solution, mais si j'ai pas les clés, comment je fais? Surveillez-la, viens avec nous, Lumpa, là. Ouais. Oh! Allez, occupez-vous de lui, là. Il est laissé allez, pas comme ça. Allez, Zach! Je vais le s'il vous plaît. Dépêche-toi, Ça avance. Voilà, mets-toi contre le capot de cette voiture là. Mets-toi contre le capot et bouge pas. Face à eux. Je vois un gun sur sa tempe là. Est-ce qu'on va s'entendre à travers les vitres? Je sais pas. Ouais. Ouais, les mans, vous allez bien? Vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez vous? Ouais, c'est parfait. Vous êtes un négociateur. C'est ça, je vais prendre en charge la négociation. Sauve-moi, je t'en supplie. C'est parfait. Calme-toi, ça va aller. Eh ben écoute, on va avoir pas mal de choses dont... Il y a pas mal de choses dont je veux parler. Déjà, premièrement, je vous écoute. Sachez une chose, c'est que actuellement c'est une prise d'otage. On a deux otages à l'intérieur. Un employé de la concession et votre agent Lumpa, là, 0,5. Sachez que à l'heure où je vous parle, j'ai plus rien à perdre. J'ai perdu toute ma famille. Je suis à deux doigts de me suicider. Je m'en bats les couilles si je meurs ici. J'en ai rien à foutre. Je suis un niqué. C'est le plan de ma vie. J'ai préparé ça des années. Je suis prêt à tout. Si faut qu'on va canner coup pour sa poteau. Je suis un malade. Donc sachez que j'aurai aucune peine à les abattre si vous répondez pas forcément à mes négociations. Évidemment, je vais pas être fermé comme un coquillage et vous demander la lune. Je suis rationnel, vous inquiétez pas, je connais vos façons de fonctionner, je suis pas con. Ok? Eh ben écoutez, y'a pas de souci, moi je suis là pour que ça se passe bien et juste pour éviter que personne ne se fasse tuer. Et juste pour récupérer les otages. Donc effectivement, on va discuter. Je vous écoute. C'est parfait. Revendication. Écoutez-moi déjà, premier problème là que j'ai, c'est que déjà je veux repartir d'ici. La vie sauve, tu vois ce que je veux dire? La vie sauve avec ce que je suis venu chercher. T'as capté? D'accord. Déjà. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Je suis venu chercher des vérités, je suis venu chercher de l'argent. Donc maintenant, moi, tout ce que je vais vous demander par la suite, ça va être des conditions de sortie en échange de la vie de certains. Mais, il y a un problème. Et moi, j'ai vécu dans des quartiers pendant mon enfance. Maintenant, effectivement, je suis plus dans le grand banditisme. J'ai pris mon indépendance, je suis avec mes gars. On fait nos trucs, sous un certain nom. Mais il faut savoir que quand j'étais petit, j'ai habité à droite, à gauche, dans des quartiers miteux. Et là, il y a quelque chose qui me plaît pas, que j'ai vu à la télé il y a quelques jours dans les journaux. Le Watergate, ça vous dit un truc? Non, absolument pas, c'est quoi? Le Watergate, c'est un des juges de Liberty City qui, je crois, s'est fait virer. Et avant de partir de Liberty City, a rempli d'amiante les tuyaux de... qui relie l'eau, les canalisations d'eau de Northwood, du Bronx, de Vespucci Circus, de différentes zones, ghettos, différentes zones. Des gens ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins, ne peuvent même pas continuer à acheter des bouteilles d'eau. Ou des personnes meurent parce qu'ils boivent l'eau du robinet. Tous les jours, c'est la même. Et là, même vous, les flics, vous n'êtes même pas au courant. Même vous, les principaux concernés, vous n'êtes même pas au courant de l'histoire. Je
peux comprendre votre mécontentement après, comme je vous dis, c'est très compliqué. Et nous après dans le Bronx ça pue la merde, comment on fait? Nous, je vais pas vous mentir, on est au courant que peut-être les flics vous ne pouvez pas faire, vous n'allez pas aller dans les canalisations, vous êtes pas de plombier. Et vous savez très bien que vous êtes plus écoutés que les mecs de ces quartiers là. Vous êtes des personnes que le gouvernement écoute et vous êtes des personnes qui peuvent régler ces problèmes là. Du coup comment on fait? Comment on fait? Parce que moi je sais que si j'habitais encore dans ces quartiers là, j'ai encore je pense des mecs de mon... des mecs derrière moi, des mecs de mon entourage, des familles de mon entourage qui habitent encore là-bas. Et les voir leur mère mourir à cause d'une simple gorgée d'eau, d'une bouteille recyclée, ça, c'est n'importe quoi. Ils peuvent même plus se doucher. L'amiante avec de l'eau chaude apparemment ça fait des dingueries. Tu peux même plus utiliser d'eau chaude, ça te brûle la peau directement. Je comprends, j'entends le mécontentement et que c'est pas facile à vivre, je peux même pas imaginer ce que les gens là-bas peuvent ressentir. Exactement, vous imaginez pas. Maintenant que je suis au courant, effectivement, et j'espère que d'autres sont au courant et qu'ils auraient pu débuter des démarches. On peut faire des analyses et faire en sorte que l'eau soit traitée. Et ben ça, j'espère bien que vous allez vous y engager. Domino, viens voir. Parce que si je suis là, c'est en partie pour ça. C'est en partie parce que le gouvernement prend ces gens-là pour des putes. Le gouvernement prend ces gens-là pour des personnes qui n'apportent rien à la société, mais c'est eux. C'est eux les vrais travailleurs, c'est eux qui apportent de l'argent à notre pays. C'est eux qui payent des impôts, c'est eux qui... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Maintenant, moi j'ai besoin d'un engagement, d'un haut gradé du LCPD qui s'engage à lutter contre ce problème, qui s'engage. Parce que tu vois, nous, à la base, on n'est pas là que pour ça. Mais si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est que moi-même, ça m'atteint alors que j'habite même plus dans ces quartiers-là. J'habite... Tant mieux, moi maintenant, j'ai ma maison, je suis bien, je suis heureux. Mais il faut savoir un truc. C'est que si j'étais à la place de ces gens-là, j'essaierais de soulever... Comment on dit? Mer et terre et mer. Ciel et terre, ciel et terre. Ouais, ciel et terre. J'essaierais de soulever ciel et terre pour régler cette histoire. Et ta mère aussi. Ouais. J'essaierais de soulever ciel et terre pour régler cette histoire. Et eux, ils en ont pas le moyen. Ils en ont pas le moyen parce que les petits jeunes de là-bas, c'est vu comme des Kaira, des mecs qui font enfermer et qui se font enfermer, qui meurent à même pas 20 ans. Et vas-y. Du racisme, du... Vous savez très bien, frère, je vais pas vous faire le dessin, vous savez très bien de quoi je parle. Évidemment. Donc là, je récapitule. Ce que vous voulez, c'est que je vous trouve un haut gradé du LCPD qui s'engage à régler la situation, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Vous voulez qu'on procède étape par étape ou vous comptez me dire quelles sont vos autres revendications? Ah non, on le veut maintenant là déjà. Pour le moment, on va aller étape par étape. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour le moment, je veux avoir une discussion avec ce gradé là. Bien, et ben je trouve un gradé parce que là, je sais pas si on va pouvoir faire grand chose. On passera si on est à la mer. Mais je reviens vers vous, d'accord? Pas de souci, je vous attends. Allez. Boss, tu peux venir 2 secondes, je dois discuter. Ouais. Gardez-les là. Excusez-moi, cher ami. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, votre ami qui parlait à la police. Il y a 2 voitures avec lesquelles elle a les clés. C'est lesquelles? C'est une Sugoi et une... Je sais plus quoi, j'ai oublié le nom de nom. Et c'est quoi une Sugoi? C'est ça, non? Je sais pas... Attends, Pierre, viens, on la ramène direct. Attends. Domino, viens là. Domino, viens, s'il te plaît. Il y en a une des deux qui est en panne et elle a pas ses outils. C'est quoi, t'as les clés de quoi là? Une Sugoi à l'arrière. Ouais. Sugoi. Mais c'est comment? C'est une voiture, c'est quoi, de merde, c'est quoi? C'est un véhicule rapide. Oui, parce que. Je sais pas si vous connaissez les Mozang. Ouais, c'est la voiture derrière toi là-bas là, non? En face. Ça, c'est le flash GT. Hein? C'est la mine. Est-ce que. Une Sugoi et quoi d'autre, tu m'as dit? Il y a la boucaneur ici, mais le problème c'est qu'elle est pas là. Et il te faut des outils pour. Pour la réponse. Celle devant là, tu parles? Ah, mais ça. Ça vaut pas, ouais, ça vaut pas beaucoup, c'est ça vaut combien ça? Ouais, ça hein. C'est. Ah, je crois qu'on a pas très rentable. Bien. Ok, bah on va miser sur la Sugoi. Hein, vas-y, je te laisse gérer le S. T'inquiète. Oh, d'accord, c'est la Sugoi. Essaye de savoir le prix et tout. Ouais. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi du coup. Vous êtes qui? Un haut gradé. Un haut gradé? Mais qu'est-ce qui me le certifie? T'es cagoulé avec une M4, tu crois? Tu peux être n'importe qui, tu peux être un cadet même. Je sais pas comment vous appelez ça là. À ton avis,
ton avis, est-ce que j'aurais une arme comme ça entre les mains si j'étais un rookie ou quoi que ce soit? J'en sais rien, moi j'y connais rien, vos formations de flics. Non, non. Je t'ai dit que je suis un gardé en tout cas. Et en plus, je peux sûrement avoir des réponses que t'as besoin. C'est quoi ton nom? Echo. Echo. Ok. Merci. Ouais, ta collègue t'a parlé de la situation, de ce que j'ai parlé là juste avant. Du coup, pour vous expliquer tout de suite, déjà, si ça peut vous rassurer, vous de votre côté, le juge n'est en rien responsable de la pollution que vous dites. C'est faux. Comment ça, le juge, en aucun cas, il est responsable de ça? Pourquoi c'est des flics qui sont carrément venus le dire, ça? C'est des infos de flics, là, que je vous dis. Là, c'est ça, ça sort de la bouche d'un corps. Ça vient chez vous, ça. Hein, tu vois, les mecs que tu sais pas tenir, là, qui vont travailler avec des mecs de quartier. Ça sort de leur bouche, ça, je te le dis. D'accord, mais vous êtes sûr de votre information qu'elle est suffisamment récente pour 100%? Elle est suffisamment récente, ouais, effectivement. Et je peux te dire que moi, même moi, je le savais pas. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient morts récemment, cause inconnue. Je savais que des mecs de chez. Des mecs de ces quartiers-là étaient malades. Mais. Aucune info. Maintenant, cette info, elle est sortie. C'est sorti dans un quartier. Ça a fait le tour de tous les quartiers, hein. Je vous dis, la rumeur. Elle a fait le tour de tous les quartiers, je le sais. Je le sais parce que d'accord. J'ai un œil sur tous ces mecs-là. Ok. Et du coup, vous voulez que du coup cette zone soit dépolluée, c'est ça? Ouais. Je veux que le. C'est un peu la base du gouvernement normalement, non? Ça vous. Je veux que en fait chaque habitant de Liberty City puisse vivre sa vie au même titre et tranquillement, de façon égalitaire. Après, d'accord. Effectivement, en fonction de leur vie et de leur courage, ils gagneront ce qu'ils gagneront. Et d'accord, c'est pas normal que ces gens-là qui habitent dans ces quartiers, ils doivent subir la foudre d'un juge qui s'est fait virer, qui a la haine. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et qui s'est fait virer? Bah je sais pas, enfin ouais, je sais pas s'il s'est fait virer. Qu'est-ce que vous voulez envers le juge du coup à l'heure actuelle par exemple? De quoi? Qu'est-ce que vous voulez envers le juge du coup par exemple? Lui je m'en bats les couilles, il s'est barré carrément, de ce qu'on m'a dit. Il s'est barré. Moi, c'est pas le juge m'en bat les couilles. Si je l'avais devant moi, regarde, il serait dans cette concession, crâne sur la Bentley derrière, ouvert en deux. Ah, Ghost Rider. Alors, du coup, c'est bien parce que vos informations sont complètement erronées, d'accord? Le juge est actuellement porté disparu, il n'a pas pris la fuite, d'accord? Il a été forcé contre son consentement. Secondo, il n'est en rien responsable de cette pollution. Et alors ça sort d'où? La meute, il est tombé du ciel, c'est les rats, ils l'ont posé dans les égouts. Je ne vous donnerai pas l'explication de pour quelle raison il y a cette pollution exactement, on va s'en occuper. Et ce sera transmis directement au procureur et au maire. Ça, je m'y engage. Dès la minute où on sera parti d'ici. Comme ça, on est des habitants. Si vous y engagez, moi déjà, c'est un bon point. Moi, je vous le dis, je ferai un pas vers vous déjà pour ce truc-là, parce que ce n'est pas normal. Et je pense que, je vous le dis, ces mecs-là de quartier, pour le moment, ils s'expriment pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous, on a les moyens de le faire. Et on parle pour eux. La vérité, c'est quoi? C'est qu'ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés par le gouvernement. On en a rien à foutre d'eux. C'est vu comme la peste. Et ça. Et si on n'a pas la possibilité de vivre comme tout le monde dans ces quartiers-là, qu'est-ce qu'on fait? On donne l'argent aux riches et les pauvres, ils vont se faire enculer, c'est ça? Je comprends bien. Bref. Du coup, pour les otages, monsieur. Les otages, on va les échanger contre des trucs simples. Juste. Pour le premier otage là, étant donné que c'est quand même un de vos agents. Et ça me fait plaisir de l'avoir ici, au moins il est au courant de ce que Liberty City est capable de faire. Et de la face cachée de l'iceberg, tu vois. On n'est pas n'importe qui, on n'est pas venu s'attaquer à ça pour se tourner les pouces. Donc moi, ce que je vous demande, c'est peut-être une demande bizarre, mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît bien en serrure. Un serrurier, capable de me sortir un double des clés d'une des voitures ici, tout simplement. D'accord. Pour l'agent en question. L'agent, c'est ça? Ouais, contre l'avis de l'agent, ouais. Effectivement. D'accord, on va procéder par étapes, on commence juste par ça, je vais transmettre en radio, d'accord? Pas de soucis. Boss, tu peux venir 2 secondes? Ouais. 96 aux unités. Zach, viens avec moi. Ouais. Garde-les, le dé. Vas-y. Il a l'air déjà mieux informé que le négociateur, Zach. Je sais plus quand exactement, précisément, et dans quelles conditions, mais j'étais avec le maire. Et monsieur Austin Myers, tu vois le mec qui était sur la fusée pour nous sauver? Ouais. Ah ben lui, il a dit ouvertement, oui, c'est moi qui ai pollué l'eau de Liberty City sous demande de... Et je sais plus la demande. Et c'est lui que les flics ont célébré la mort, là. Ouais, et c'est lui qui est responsable de l'eau polluée. Fils de... Source sûre.
Après, je sais plus qui lui a demandé et tout, mais je pourrais essayer de savoir. L'enculé. Ok. Mais il est mort, lui, c'était, ou il est... C'était quand il était crackhead, tu sais, quand il était au journal. Après, il a fait une cure et il s'est rangé un peu. Et quand il s'est rangé, il nous a avoué des choses. Je vois, putain d'enculé. Ok, bon, écoute, merci de l'info. Sache que si bah, tes collègues sont rationnels, ça va bien se passer. Ah, si c'est juste la voiture que vous voulez, ça devrait aller. Ouais. Les voitures. Ah, c'est juste pour vous prévenir qu'on a contacté, on est en train de contacter un serial, on essaie d'en trouver un. Vas-y, pas de soucis, on attend ça. Allô. Le véhicule dont tu me parles, là, la Sugoi, elle est derrière. C'est derrière, ouais. Tu peux nous la montrer? T'as un accès depuis ici ou pas? Faut que tu fasses non, je crois qu'elle est à bord. Ah ouais, putain. Tranquille, on va demander à un flic d'aller de prendre la clé, d'aller la chercher, de la mettre devant. Ok. Et ça coûte combien de Sugoi? C'est pas mal cher. Ok. J'ai vérifié. Si tu me dis que c'est pas mal cher, je te crois. Et derrière toi, c'est une voiture, une Sugoi. Hein, et derrière toi, ça vaut combien là, le Bentley? C'est pas à vendre, elle a dit. C'est pas à vendre, mais c'est seulement au patron. Et puis très rare. Ok, ouais. Mais c'est genre tu t'auras un, enfin une fourchette, même si c'est pas à vendre, tu sais à peu près comment ça vaut, quoi. Et je crois que c'est un chiffre à 7 numéros. Ah ben ta gueule là, il est bien. Oui. Ouais, il est bien le Bentley. Oui. Faut l'intérieur un peu. Mais genre combien rouge, genre plusieurs centaines de milliers. Ouais. Très bien messieurs. Ouais. Du coup j'ai quelqu'un qui du coup a réussi à avoir les choses pour pouvoir ouvrir un des véhicules. Lequel vous souhaitez avoir du coup? Celui sur lequel les otages se reposent là, juste derrière. D'accord. Bentayga poto. C'est quoi ce modèle que les Bentayga. Bentayga. Édition limitée. Je crois que c'est numérique, mais il y a possibilité de... Ok, parfait. Ok. Designer italien. Il faut que je rentre, c'est ça? Comment vous souhaitez procéder, du coup, messieurs? Bah écoutez, moi, après, à vous de me dire si vous me faites confiance. Sachez que moi, je vous certifie que l'agent, enfin le serrurier là qui va rentrer, je vais rien lui faire. Si tout se passe bien, et qu'il résout mon problème, et ben on vous lâche le 0,5, là. Prenez la base. Très bien, bah ce qu'on peut faire, c'est qu'ils peuvent passer l'un après l'autre en même temps la porte, d'accord? Ça, ouais, le problème c'est que s'il rentre et qu'il règle pas mon problème, c'est... Bah de toute façon vous avez un deuxième otage, j'ai envie de vous dire, donc mon objectif c'est pas de prendre l'agent bon, et générer la j'ai pas, pas de temps à perdre, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, on va fonctionner comme ça. Et ben oui. Écoute, Lumpa là, tu vas pouvoir avancer. On va faire un petit échange avec votre collègue. Un otage va sortir. Non, on en a besoin. De toute façon, je te dis Lumpa, on lui fera pas de mal. Si tout se passe bien du côté de tes collègues. C'est pour son mental, c'est pas facile. Attends, la porte, désolé. Ouais, la porte, faut que... Vas-y. C'est fermé. Attends. Bah, tu sais quoi, ton écho, là, il va te récupérer. Oui. Non, il faut que le mec soit en face. Vous voulez que je joue la barre? C'est bon. Lâche-le. Voilà, vas-y, rentre. Fais rentrer. Ouais, fais-le rentrer vers toi. Wesh. Oui. Ah, c'est bon. Ok, c'est parfait. Ok. Nickel. Récupérez-le. C'est bon, Lumpa il est dehors ou pas? Non, il faut qu'il. Ah non, toujours. Là, mademoiselle, vous pouvez le récupérer? Bon, tu connais, man. Regarde, on va faire un truc simple. Tu vas poser ton arme de service, ta radio, ton téléphone là, okay. dans la terre de la porte. Je dépose toi. On sait jamais, hein, pas de conneries. Viens. Parfait. Attends, t'inquiète. Vas-y, rejoins la poche. Très bien. Un des otages a été libéré. Voilà le S, tu vois avec lui là pour les clés. C'est celui là, hein. C'est juste derrière. Ouais, c'est lui. Ouais, le je vous laisse regarder, moi je rouge là. Ok. Édition limitée, putain. T'es mal du cœur. Faudrait... Si on a ça, les gars, c'est. Pour ce type de véhicule, il me faudrait un ordinateur portable, s'il vous plaît. Vas-y, viens avec moi, y'en a un à l'étage. Y'en a un là. Juste derrière là. Ok. Vas-y, Domino, prends-le. Pas de conneries, attention. Et surveillez bien ce qu'il fait sur l'ordi là, on sait jamais s'il me fait. T'inquiète pas. Il fait du cryptage là, je sais pas quoi, il me fait une dinguerie, le PC il explose, on meurt. C'est pas informaticien, mais on voit ce qu'elle fait. Je suis déjà sur place. Pas mal. Tu dois faire quoi exactement? Tu penses être en mesure d'avoir une clé ou pas? Ça devrait être possible, on va voir. Parfait. Patron, il veut gagner toutes les clés, bon, non, en vrai, on va prendre ça et la Sugoi. Et limite, la Sugoi, je sais même pas si on va la prendre. Vous me passez ça?
Ah ouais ouais ouais, attends, tu vas pas me la mettre. La vie de ma mère, on enlève le tracker. La tête d'homme, on enlève le tracker. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je connais, moi j'y connais rien, c'est vous les pros. Oh, je attendez, faut que je le mec des négociations. Merde alors. Il y a des trackers dans ce genre de merde. Bon, les man, on va les laisser faire le boulot. On va venir vers vous. Ah, ok. C'est bon ? On va vérifier quand même. Ouais, ouais, capot et en dessous. Parfait. Pas de conneries, hein, vous connaissez. Pas de conneries de votre côté aussi. Attends, on n'hésitera pas, on est prêt à canner pour ça. Un agent, un otage, du coup. Un seul. Ok. Vas-y, vérifie en dessous. Ouais, je suis en train de vérifier. Ok, attends, je vais regarder derrière. Vérifie là, là, derrière les roues. Ouais, je vais regarder, je vais regarder. Toujours en dessous. Ou bien, t'as vu, sinon c'est au niveau du capot, à côté de la porte. Ouais, t'inquiète, je vais regarder. C'est la 230. Et là, décale. Tireur 230. Ok. T'es sûr que c'est la, c'est bon, t'es y a sûr rien. Que c'est la 230 excusez-moi. Je suis pas sûr non plus. Tu m'as dit combien? C'est bon, pas de tracker. En vrai, je pense que même. En fait, je sais même pas si on va prendre la Sugoi. Parce qu'en vrai, c'est... on leur demande beaucoup de conditions là. S'ils nous ramènent la Sugoi, ils sont vraiment gentils. Hein. Je pense. Franchement, je pense qu'on va prendre que elle. C'est bon. Attendez. Le capot et le coffre. Domino, tu peux me faire une estimation du prix, s'il te plaît? Genre, regarde sur internet là. Ça se compte en millions, ça. Là. En millions? Ok. Ah, putain. Ok, ça marche. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Viens soulever avec moi la petite banquette là. Vas-y. 1, 2, 3. Voilà. Tu regardes quoi? Attends, déchire la petite puce là. Prends-la. Vas-y. Enlève-la. Eh hey, les gars, vous êtes vous les professionnels, je veux surtout pas qu'il y ait de trucs qui la localisent là. Ok, t'inquiète, on regarde ça. Ok, c'est bon. Elle est pas rapide, donc on s'en fout. Bon, la Tsugoi, c'est toujours d'accord. On va juste prendre ça parce que la Tsugoi, c'est un peu abusé. Enfin, en vrai, c'est nul de prendre les deux quoi. Le garage et tu lui donnes la clé et il va c'est à l'arrière. Ok, ça marche. Boss, il faut qu'un. Ouais, attends, mon Maïdjo, on est en train de récupérer ça. Le véhicule. Ouais. Le véhicule. La Tsugoi, elle est pas ici. Non, mais pas les couilles, on va prendre que ça. On prend que ça hein. Ouais, c'est suffisant. C'est suffisant. Ouais, en plus le plan mule à deux voitures et tout. Non, c'est. En vrai, c'est parfait. Je pense que là. Même, t'as vu, faut pas abuser, c'est une scène tranquille, c'est pas une scène de ouf, hein. Vous voulez quoi comme façon de respect? Allo 7. Glucksbuster. Bon, moi, je t'explique en vif. Au début, on était 7 voitures, on n'a plus que 4 voitures. Gizmo, il s'est barré. Il y en a 10, ils ont sauté entre temps, je comprends plus rien. Le plan est tiens, ça veut dire nous, on va bloquer avec 4 voitures. Ouais, mais vraiment, essaye de les ravoir là, les mecs qui ont sauté. C'est mort, Gizmo. Non, mais Gizmo, il n'y a rien, mais les autres, ils sont là normalement. Harcèle-les, je m'en bats les couilles, hein. Harcèle-les là. Non, pas, hein. Ah, moi je te dis, les mecs ils viennent nous mettre un plan pendant un braquage là, je vais les fumer, hein, notre vie elle en dépend. Mais là t'es d'homme, tu fumes les, hein, surtout Gizmo, il faut je vais le fumer. Les fumer, hein, je rigole pas avec eux, ils se barrent pendant un braquage, c'est un ouf. Là, moi je t'explique un peu la situation à l'intérieur là. Du coup, il y a la meuf qu'on a braqué, la concesse, elle a pas les clés d'aucune voiture. Du coup, on a fait rentrer un serrurier là qui est en train de nous sortir les clés d'un véhicule à plusieurs millions. Un Bentayga là, un véhicule. Mais du coup on aura que un véhicule, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est qui dinguerie, va. Par contre devant la banque, enfin devant le truc, il y a le SWAT. Quand on va faire attention. Mais le plan il tient toujours, il y a deux voitures de flics je crois et un gros fourgon. Donc voilà. Précise bien qu'ils te mettent pas les trucs bizarres là sur la route. Oui flics, t'inquiète, je suis pas con. Vas-y. Eh, j'allais dire quoi du coup le plan c'est le même. Ouais. Mais juste sur la 4 voitures qui vont. Bah essaie vraiment d'être le plus rapide possible là pour pour regrouper les mannes qui manquent là, c'est bon. Vas-y. Là, je vais voir, mais je te garantis rien. Dans tous les cas, le plan est tiens. Je te rappelle quand on part, vas-y à plus. Vas-y. La zone est minée. Alors messieurs. Tu vois ça boss, c'est bien miné hein. Ouais, je vois ça. Ok, alors attends. Monsieur. Je vais vérifier un peu la clé de cette merde. Ça arrive, on vérifie qu'il n'y a pas de tracker, tout ça. D'accord, ok. Il sert que l'agent lève les mains comme ça. Attends, mais l'agent il va. Il a envie de lever les mains là, ça lui fait plaisir. Ok. Donc, calme, hein. Y'a rien, t'inquiète. Tiens, si tu veux baisser les mains, baisse tes mains, t'inquiète. Ah, parfait, nickel. Moi je vais me détendre sinon. Ok, du coup, bon les gars, le véhicule il est localisé là ou pas? C'est bon, là on a vérifié, capot, tout ça, en dessous des roues, porte, arrière, c'est carré. Ok, parfait. Ok, et ben écoute, l'argent, tu vas pouvoir y aller. Attends, je vais. Ouais, c'est écho. Ouais, c'est ça. Ok, ben votre agent a fait le boulot, c'est parfait. On a notre clé, on a tout ce qu'il faut.
Maintenant, on va pouvoir le laisser sortir et passer au. Je suis à la fin. Demoiselle. Vas-y, tu peux sortir, chef. Vas-y. Je connais la domino là, elle boit de l'eau là. Ok, c'est en vif. Ouais, le domino elle est là-bas là. Super. Ok, bon. Dites-moi. Ouais. On va. Comment dire, on va procéder aux dernières négociations. Je me regroupe juste deux secondes avec mes gars et je vous. Très bien. Et je reviens vers vous. Ouais, les Clucks Buster. Eh les gars, les mecs qui ont la porte ouverte là, les deux portes elles sont ouvertes ou pas? Ouais. Non, y'a que celle de droite. Bah, attends. Douki, toi, les deux portes elles sont ouvertes ou pas? Attends, je vais regarder. Faut qu'il y en ait un qui vérifie. De toute façon, au pire, on va sortir en avance. Hein. Moi, j'arrive pas à sortir. Ouais, les deux. Ah, il nous faudrait peut-être un petit bidon d'essence, les gars, pour bien faire. Ouais. Par contre, juste boss, on y va comment là? On est parti de voiture, mais comment? Non, on se met tous dedans. T'inquiète, on va juste prendre ça. Alors, dites-moi. Alors, du coup, pour la libération de la concessionnaire, on va vous demander deux trucs. Si ça vous va. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas forcément le choix, mais bon, tu connais. Deux trucs simples. La première, on aimerait avoir un petit bidon d'essence, si c'est possible. D'accord. Pour un petit peu rajouter dans le véhicule. Ok. Puis, la certification qu'il n'y aura pas de hers, de. Je sais pas comment. Tu sais, les trucs qui crèvent les pneus, tout ça, quoi. Des barrières, il n'y aura pas de hers. Des trucs. Voilà. Par contre, moi, il me faut de mon côté l'assurance comme quoi madame reste ici, parce qu'elle partira pas avec vous. Ben, on va. Mais ouais, de toute façon, on va non, te non, la. T'inquiète, elle va rester ici. Hein. Quand on va partir, on va te la laisser dans le concesse. Et voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir doucement, parce qu'on va pas péter la vitre. On va sortir doucement le véhicule. Elle va rester dans le concesse. On va partir, elle restera dans le concesse. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de dinguerie. Tout se passe bien. C'est vrai que j'ai oublié qu'on a une petite bombe, faudrait que je l'utilise. Ouais, ce serait cool, ouais. Viens au moins à la place, juste par assurance, tu vois. Ouais, j'aurais un petit peu de chien. J'ai pas envie de me faire baiser par les cops. Pense quand même que j'ai une petite grenade dans la poche, Domino. Ça te chauffe? Faut juste que tu tiens bien avec tes mains, parce que si tu lâches, ça pète, je te dis. Ouais, les gars, boss. J'ai envie d'enlever le truc là devant. Attendez, j'ai une idée de ouf. Attends. Je sens la dagrée. Achète 3 canettes là ici, tu les vides, tu les mets en boule et tu les compactes. Comme ça, ils vont croire que c'est une grenade, on lui met dans la poche, comme ça, ils vont tous se ruer sur elle. Vas-y. Je suis trop malin. Boss, oublie pas de leur dire d'enlever les véhicules devant. T'inquiète. Ouais, parce que sinon, ça va être compliqué de partir là. On va se faire rafaler. Mama, trop fort en bluff, Zabi. Ah ouais, gros, ça va loin. Si on s'est chopé, on prend cher. Ah là, si on s'est... Ah, c'est vraiment tout. Tu te rends compte là ce que je suis en train de faire? Dinguerie, Sayums. Ça a mis une big chaussette dans sa main et ça va, putain. Je peux aller déposer les clés. Tu dis quoi? Je peux aller déposer les clés. Ah, enfin. On est bien gentil, mais la grenade. C'est bon, t'as fait ce que je t'ai dit. Ouais. Ah, mais fais-le en secret, fais-le en secret. Ah, t'inquiète, j'ai fait ça là-bas. Tu les mets, voilà, tu t'inquiètes. Qu'est-ce que t'as à faire? Ok, il y a de l'avancée de votre côté, les gars. Très bien. Le générique arrive. Par contre, je préfère vous prévenir en avance, d'accord? Ouais. Si jamais il y a un de vous qui se fait interpeller, faut avoir conscience que la grenade, c'est un acte de terrorisme. Ouais, je sais bien, chef. Je sais bien. T'inquiète pas, je te dis, c'est le plan d'une vie, hein. Ne pense pas qu'on est là en tant que débutant. Et voilà. Faut se dire que là, si jamais il y en a un qui se fait arrêter, il en a pour de nombreuses années. Hein. T'inquiète pas, man. On y est préparé. C'est soit la mort, soit la. On réfléchit deux fois avant de faire ce genre de truc, tu crois? Très bien. C'est pour vous que je dis ça. On va pas se rendre parce que. Concernant les Hers, tout est bon. Il y en a pas. Je compte sur ta parole, hein, évidemment. Oui. Dommage. Et le Chevrolet à droite, là. Je reste carré de mon côté, du coup. Le Chevrolet à droite, là. Ici, là. Évidemment. Connaissez, monsieur l'agent, serait les R, c'est quelque chose, mais c'est vrai que les tirs, c'en est une autre. J'espère pour vous que vous n'allez pas nous tirer dessus, etc. Ce serait dommage que elle meure. Je vais même faire le call devant vous, si vous voulez. Ce qui serait cool aussi, c'est d'enlever la voiture ici, parce que c'est un peu compliqué, là. Ah, mais c'est là, ouais, c'est celle avec laquelle. Le système de sécurité a besoin de ça. Donc, sinon, si vous avez la route là, le véhicule peut être en vie. Dans mon tir, je préfère. Tais-moi, moi, ça. Ah, voilà. Là, tu. Tu lui dis pas, hein. Tu dis pas que c'est une fausse grenade, mais ouais, tu l'as. T'inquiète. Ah, tu connais. Tu vas aller quand on va partir et tu fais genre tu la dégoupilles. Allo, Nash. Ah ouais. Ouais, mon gars, t'es toujours prêt ou pas?
Ouais, toujours, toujours. On est en train de faire une dinguerie, sa grand-mère. Eh, dis-toi, ouais. Là, il n'y a qu'une voiture. Donc, on va arriver qu'il n'y a qu'une voiture. Donc, tu bloques au max que tu peux. Et tu connais, tu fais ton speech. Et après, nous, on enchaîne avec toi. C'est bon pour toi. Vas-y, mon gars. Vas-y. Vas-y, à tout de suite. Ils vont dénoncer parce que vous étiez pas censé être au coup, je crois. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça pour. Je sais pas. Vas-y, c'est beau, je préparais ça. Vas-y, bah quand on part, tu la mets dans sa poche, tu la dégoupilles. C'est ça, marche. En vrai, c'est trop malin ce qu'on a fait, le truc de la canette. Parce que même si on se fait choper, on va lui dire, hey, regarde, c'est une canette. C'est en route d'une agente qui appartient à l'acheter. Du coup, ouais, juste si, ouais, si oui. Possible, vous pouvez juste décaler le reblanc un petit peu, genre. Qu'on puisse sortir le véhicule dans la longueur, t'as vu. Oui, on va le sortir doucement, on va pas niquer les vitres, tu connais. On va respecter le concess, mine de rien, même si. T'as beaucoup de thunes, cet enculé. Parfait. Ah ouais. C'est quoi le nom du patron déjà, Domino? Monsieur Captain. Ah, par contre, si on se fait péter, les gars, c'est. Ok, ok. Donc là, on va prendre le véhicule. Allô de Bobby. Ouais, ouais, j'y pense. Je sais pas si c'est toi qui conduis, mais le conducteur, faut qu'il colle bien à droite. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais je pense que ça va être moi. Vas-y, carré. Donc vas-y, je t'appelle quand. Ah. Le véhicule de service, t'es grave accroché à la gueule. Allo 7, attendez là. Ouais, chef, t'as récupéré des gars ou pas? Moi, on est 4. Ah ouais, on putain, 4. C'est chaud, hein. On va gérer. Y'a Dubaï ou pas? Ouais, Dubaï il est là, y'a André, y'a tout ce piquement. Ah putain, sa mère. Mais il est où, Trippy? Il est pas là. Trippy c'est barré, je t'expliquerai après. Ouais. Et Gizmo il est. Chez Trippy, il m'a dit, y'a une tartiflée, je dois partir. Je l'ai baissé sa mère ou. Et Binto il est où Binto? Binto il est au quartier, il dort. 1h45, faut que je décale hein. Binto il nous avait prévenu qu'il pouvait pas. C'est bon? Ouais, il faut que pour nous. En gros, il faut pas qu'on fasse. Et les deux autres hein. Ouais. Maman. Vas-y, bah sérieux. Ouais. Ça serait cool. Ok, bon bah je te tiens au courant là, on va bientôt sortir, on va faire le plan avec Nash et dès qu'on a fini le plan avec Nash, je t'appelle, c'est bon. Vas-y, à toi. T'es bon. T'es sous contrôle. Oh le D, tu te sens de conduire ou pas le... Ouais, ce serait cool que le D il conduise. Ah vas-y, au pire je vais conduire, t'inquiète. Ah mais juste pour tu connais. Ah le boss il schmoute hein. T'es sûr le D, t'es pas plus fort que lui. Maman, vous me guidez, je conduis hein. Vous me dites. Quand ça vous me dites. Vous me dites. Ça arrive. Non, j'attends qu'elle arrive avec son carré. Fait que tu dois rester là. Et que tu joues un peu, genre. Ah, c'est pas de soucis. Ouais, mais bon. C'est mignon, toi, t'as un boule, hein. T'es un pétard, hein. Ouais, c'est chevaux, tu là. Penses c'est possible qu'ils mettent un tracker dans l'essence et genre on verse l'essence dans le moteur et. Non. Enfin, dans le. Non. Je pose des questions, je connais rien. Non, t'inquiète. Là, regarde, c'est simple. Écoute. Pour tous les endroits possibles des trackers, c'est principalement au niveau des moteurs, entre les ceintures. En dessous des véhicules, attends, au niveau des pneus, chaque rang au niveau des flancs, au niveau des pompes de traction, et c'est bon. Est-ce que sur les nouveaux modèles comme ça, la sécurité... C'est le pont là, la barre là. Je suis pas sur mes couilles là. Un truc qui... Comment ça s'appelle? Le train avant, voilà. Un traceur qui est bien placé dans les endroits inhabituels, genre. Non mais peut-être genre c'était déjà fait d'origine, genre c'est pas vous qui l'avez ajouté. Je t'ai dit, je l'ai enlevé dans le coffre. Ah c'était celui du coffre. Ok, c'est bon. Non t'inquiète boss, c'est bon, 100% y'a rien. C'est tout. Ah bah bien se lever toi. Tu es tombé hein. C'est un peu pas le débat en forêt. Et attends, t'es mort dans le game pour demain. T'inquiète, ta gueule, c'est un peu pas le débat en forêt. Ouais dans la prison, c'est nous on est mort dans le game surtout. Tu sais que là c'est au béton là. Je vais être déçu hein. Sa mère. Putain. Sa mère, t'inquiète Smoke. On a qu'une vie mon gars, moi c'est pas toi avec des niques sa mère. Smokey il va reprendre la relève, t'inquiète. Les gars, si on réussit ce truc, en vrai c'est une dinguerie. Hein. Par contre, en vrai si on réussit, c'est bien. Si on rate, c'est hardcore là vraiment. Parce que je pense il y a des mecs qui vont prendre foi. En vrai, non, on peut pas prendre perpète sur ça. On va avancer doucement quand même. C'est pour ça qu'on a demandé de décaler le rebla, mais normalement ça devrait être bon. Ok. Ouais. Ouais, t'inquiète. Elle est bien celle-là aussi, hein? T'inquiète, mon gars, je suis bouillant! Ouais, mais bon. Je connais un véhicule, ça suffit. Je suis bouillant! Allez, gars, des commandes, on met du. Dieu? Du son, ouais, du son. Oui, bien sûr. T'inquiète, du son, ouais, poteau,
tu crois qu'il y aura 14 véhicules de cops derrière nous, tu crois qu'on va mettre du son? Des véhicules ou des véhicules blindés? Ah, donc moi ça nous rafale, on a même. Mais c'est bien, heureusement qu'on a pris le Bentayga, il y a beaucoup de chevaux, au moins on va bombarder un peu, parce que sinon frère, avec des blindés derrière. C'est la vitesse, le Z. C'est la puissance. Genre un tracteur, ça fait 1000 chevaux. Eh, monsieur la jambe! T'as dit quoi, Damien? Oui. C'est que t'as un flow, t'as un drip, hein? De quoi? C'est ce qu'il y a dans la cabeça. T'es bien, t'es stock, tu vois. C'est toi, je suis à la salle. Cabeça. Ouais. Normalement. Moi, je drague pas le nouveau négociateur, frère. Je le drague pas, poto. Derrière, c'est moi. Tu verras que la cabeça, ça fait pas mal, la Liberty City. Tu connais, je rentre dans sa tête, wesh. Tu rentres dans rien du tout, tu rentres dans son. Rien du tout. Non, c'est avec moi. Vous êtes sûr que vous êtes prêt à assumer ça? Poto, on rigole, c'est peut-être nos derniers moments. Non, hein. Non, mais. J'espère pas pour vous. Gars, quand même. Hey, tu vas pas décider de ma destinée, monsieur Fessier. Attention. Un peu quand même, genre. Un peu. Ouais, mais là, non. Ça, c'est toujours mieux d'attraper les voleurs que de les tuer. Hein. Tu rentres avec un trophée au moins. De toute façon, c'est pas le but de tuer les gens. Voilà. Et en soi, oui, c'est vous qui avez votre avis sur si on est des terroristes. T'inquiète, c'est le plan d'une vie, mon gars, tout est millimétré. Tu le sais pas encore, mais derrière toi, y a du monde. Bah, votre plan d'une vie, c'est une erreur quand même. Avant même de faire ça, vous auriez dû le faire. Peut-être une erreur. Peut-être. Mais bon, on n'est pas au stade du jugement. Écoute, Poto, t'étais pas là 14 heures par jour, tu vois, hein, à préparer tout ça. T'étais pas là 14 heures par jour à préparer tout ça. Le fabrique, l'essence ou. J'ai le jerrycan. Je l'ai. Parfait. Je l'ai. Est-ce que quelqu'un. Vas-y, tu peux, le Z, tu peux aller le récupérer devant, le pose par terre, tu connais. Je vous le pose par terre. Ouais, vas-y. Vérifiez qu'elle a pas mis un truc chelou dans l'essence. Qui va en vrai, je pense pas qu'elle peut mettre un truc chelou dans l'essence. Hein. Imagine, elle a mis la piste du capitaine. J'ai pas fait pipi dedans. Le capitaine, ça fait du qu'il attend, il pisse. Il boit. C'est la bonne essence ou pas? Ouais, je crois. Sans l'odeur, on sait jamais en ce moment, c'est la crise. Tiens, poteau, tiens. Vas-y, donne-moi, je sais pas. Je crois que c'est côté droit ici, cela, vu que c'est des. Tu vois. Ah oui, c'est une hybride en plus, je crois. Tout le monde a ses attributions. Comment ça? On va se faire tirer dessus. Ah, ils sont prêts. Ils sont prêts, frère. Ah, ils sont très prêts. J'espère que c'est réciproque. Les gars, je vous jure que si on béton, sachez que je. Eh, c'est pas le moment. Je vous aime, les gars. Si tu béton, c'est que t'es con. Ah, bah, on sera bien con. Dès la D. T'as vu, tu passes un psychiatrie, ça s'appelle le karma et en ce moment, là, souvent, tu vois. Donc, pas trop avec deux. Eh, d'ailleurs, les gars. Annule. On est bien d'accord, hein, si. Si c'est la D, vous rendez à ma place. Je te balance, ouais. Ah, je te poucave, mais d'une puissance, frère. Je dis que tu viens de Los Santos, je dis que t'as 4 frères et sœurs et que. Je suis libre. Oh, venez, on poucave, Miguel. Non, viens. Mais viens déjà, on s'en sort au lieu de parler de. Viens, poucave le D, là, il fait trop mal en ce moment. Ah. J'ai perdu mon joint. Petit flop, t'es à part. Excuse-moi, je n'utilise pas le mini-shield tout le temps, genre, pas comme toi. Ok. Attends, du coup, les deux portes, elles sont ouvertes ou pas, Dookie, pour toi? Ouais. Ok. Va vérifier en vif. Hein. Ah, j'ai vérifié tout à l'heure. Ok, les man. Bon, ce qu'on va commencer à faire, c'est juste on va mettre le véhicule devant pour se préparer à sortir. Tu connais, là, les portes, elles grincent, je sais pas, elles veulent quoi. On va tous se mettre dehors. On va monter dans le véhicule, on va vous laisser votre otage et tout va bien se passer, je l'espère. D'accord, ok. Donc vous allez d'abord sortir les deux véhicules, c'est ça? L'unique véhicule, là, on va le sortir là. On va nous sortir avec l'otage. Évidemment, pas de conneries, hein, t'imagines bien, vos tirs et tout, là. Bien sûr. Il n'y aura pas de tir. Par contre, vous serez poursuivi. Évidemment, on s'y attend. Y a pas de soucis. Eh ben, on va sortir le véhicule dans le calme et tranquillement, ça va bien se passer, j'espère. Je passe le call. Vas-y. Très bien, messieurs, a priori, ils vont sortir qu'avec un seul véhicule et c'est le 4-4. Vas-y, tu peux sortir le véhicule, le côté. Écoute. Je le mets en direction. Non, tu le mets tout droit là, juste tout droit. Ok. Vas-y, bah donne-moi la clé. Tout droit, et tu. On va sortir, tu connais là, parce que c'est. La porte est grince, donc vous me faites sortir et voilà. Et pareil, Domino, on va la faire sortir, la concessionnaire. Tu me dis, moi je suis prêt, hein. Je suis prêt pour le rien. Tu te colles à la plaque, Domino, ok? Là, maintenant là? Attends, non, c'est bon. Là, ok, c'est bon. Parfait, putain. Ok, voilà. Plaisir. Allez-y, vous pouvez sortir. C'est à l'intérieur, du coup. Ouais. Doucement. Attends, je te donne la clé. Tu me dis, hein. Attends, tranquillement.
Tranquille. Tiens, c'est bon. C'est ok, bon, pas, le... attendez deux secondes. Je vais prendre mon portefeuille là-bas. Allô. Ouais. T'es prêt ou pas, on sort là? Ouais, ok, vas-y. Soit prêt, on arrive dans 2-3 minutes. Vas-y. T'as vu, j'aime pas quand il me vise comme ça là. J'aime pas quand il me vise comme ça, je vais péter un câble. Allô, ouais. Allô. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. On va sortir là, on fait le plan avec Nash et dès que c'est terminé, je t'appelle, c'est bon? Je vais péter un câble. Enfin, c'est peut-être pas moi qui vais t'appeler, hein, parce que je suis au volant. Je vois ça là en place en train de me rendre fou. Qui va m'appeler? Écoutez, on a qu'une voiture, je sais pas, ZK ou Stain ou truc. Vas-y, t'es prêt? Vas-y. Voilà, prépare-toi, vas-y, à tout de suite. Fais gaffe avec le trafic. Baisse ton arme. S'il vous plaît, baissez vos armes. Ok, bon, écho, on va y aller. Oublie jamais la grenade. Oublie pas le petit truc dans la poche là, la petite. Vas-y, montez les gars, vite fait en vif là. Maintenez bien la grenade, madame. Point bien fermé. Parce que wow, les deux mineurs ils ont du travail. T'es marre? Let's go! Let's go. Ok, lui il est toujours là. Ok, donc va forcément. Ils ont un seul véhicule, va forcément y avoir des plans mules, donc restez très à l'affût. Non, c'est faux. C'est pas vrai déjà alors. Vas-y, faut appeler qui là? S, appelle le. Attends, pas maintenant, pas maintenant. Etc., okay. Tranquille, S, stressez pas doucement, chill. Bah juste parce que la moto elle aime bien essayer de trouver le mec à l'avance. Appelle-le. Appelle Smoke. Ok, on a plus que deux voitures de moto. Ah, les motos ça va être un problème. Hein. Les motos ça va être un gros problème. Appelle le Smoke vite, s'il te plaît. Vas-y, je l'appelle là. Je l'appelle. Ouais, on arrive. Reste au téléphone avec lui jusqu'à ce qu'on passe devant le quartier d'Haïti. On est péage. Tenez-vous les infos tranquilles. On arrive. Ah putain, les motos, ça va être un très gros problème, les gars. On est au niveau du Carzone, on arrive. On arrive Carzone, on passe, t'es devant. On est devant l'armurerie. On tourne Yorktown. On arrive, on passe devant le Bellarmine. Voilà, vas-y, tu peux raccrocher. Dis-lui qu'on arrive dans 2 secondes. On arrive là, dans 2 secondes. Ok, les motos, ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais tranquille, moi j'ai. Ah, mais le problème, c'est qu'elle donne les infos ensuite. Ok, c'est maintenant, les gars. Maman. Ok. Allez, let's go, les man. Oh, il y avait une. Ça a marché, la vie de ma mère, ça a marché. La vie de ma mère, ça a marché. Oh non, y'a une moto. Y'a une moto. Tranquille, les man, dites-vous, tant qu'on est pas un truc, c'est pas fini là. Fini, les gars, c'est que le début là. Eh bah, c'est que le début, frère, vous nous cherchez dans toute la ville, les gars, hein, soyez à l'avion. Surtout la voiture, elle est bien mécra, ça veut dire vraiment. Tranquille. Bah, c'est trop qu'il y en a pas beaucoup des modèles comme ça, frère. Par contre, franchement, on a été trop efficace. Hein. Je vous jure, j'ai envie de la laisser là et de se barrer. Hein. Tout s'est trop bien passé à la lettre, les frères. T'es chaud, on fait ça? Je pense qu'on va la laisser là, on va se barrer, je la boucherai après. Ouais. Écoutez, on a garé la voiture là, on va descendre, on va y aller à pied, tu vois. On va faire comme si de rien n'était. En fait, j'aimerais bien aller à gauche au fond là. C'est bon, là on est caché pour le moment, on attend un peu et on va bouger à pied.
Là, mais là, ouais, là, là, ici, c'est parfait. Qui s'est fait péter, qui? C'est bon, tranquille. Bah, les couilles qu'ils se fassent péter, hein, vraiment. Vas-y, c'est beau, t'inquiète. Eh, nous, tranquille, on est safe, là. Ah, c'est bon, laisse-la ici, Seth, c'est bon. Nique ça, bon. Attends, je rappelle après. Les gars, on sort tous avec 30 secondes d'intervalle, je commence. Attends, j'ai une tenue, je mets une tenue. Encore une mallette. Encore une mallette. Attendez, même moi, j'ai des trucs. Les gars, regardez, vous êtes pas prêts. J'ai encore ce vieux masque de merde. Wesh! Non! Quoi? On va être tenu! Je crois que j'ai pas. Attends. Envoie ta tenue! Tu veux la même? Vas-y. Ouais, ta tenue elle est lourde. Envoie ta tenue, elle est bien lourde. Oui. J'ai grave peur du klaxon. Et reprends-moi ta tenue. Oh là là, les gars, on est trop fort ça! Oh la tenue d'enculé! Regardez les gars, regardez hein. Oh parfait. on voit. Regardez les gars. Envoie la tenue. Théma. Envoie la tenue. C'est ZK. Prends-la. Big Mac. Mets-la aussi, Seth. Restez caché. Quoi? La tenue Big Mac. Non, merci. Ça ira. Ah les gars, on a réussi les gars, la dinguerie ça quand même. Il y a pas un bruit. Allez, venez au bout. Vas-y, restez ici. Non mais restez ici, restez ici. On va sortir un par un. Ah mais on s'attend. Stain, je t'appelle quand tu peux sortir. Oh la dinguerie les gars. La dinguerie qu'on vient de réussir. En vrai, c'est une dinguerie ce qu'on vient de faire hein. Je sais pas, vous en avez pensé quoi? Premier braquage, ça, la V2, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de braquage. Je me suis dit, c'était lourd, mais c'est Stonks. Ah ouais, c'est Stonks de fou, frère. Le véhicule, il vaut plusieurs millions, apparemment. C'est un véhicule qui se vend pas. Franchement, j'ai trouvé ça stylé, hein. C'était pas un plan comme la fabrique d'armes, c'était plus un mode flicard, mais c'était vraiment propre.